Oui, il y a eu une petite décompression à la suite du gain du deuxième set. La coupure hein, fait qu'il y a toujours une petite baisse de tension, mais bon, en faisant la course derrière, on a réussi à passer la cinquième en fin de set. Et de 20-19, on est passé à 25-20, donc on a bien fini. Vous êtes bien accroché dans le deuxième set, vous êtes revenu justement, qu'est-ce qui a fait la différence ? La qualité de notre service et de notre contre. Voilà, on a fini nos points grâce à des services qui ont simplifié le jeu de la passeuse adverse. Et en face, on avait une ligne de contre qui a été efficace. Avant ce match, il restait 4 points pour être définitivement championne. Oui. Là, mais là, il en reste plus qu'un. Oui, un match, un point à aller chercher à Lyon. La semaine prochaine, on va tout faire pour que la saison s'arrête là. Donc, là, vous allez commencer à préparer la saison prochaine ? On a déjà commencé à préparer. Mais bon, une fois qu'on sera champion de France, on pourra finaliser tous les projets qui sont mis en place. Vous allez essayer de garder la même équipe ? Alors logiquement, on devrait garder la quasi-totalité du groupe, hein, c'est acquis. Et les renforts, on a déjà bien avancé au niveau du recrutement et c'est déjà fait, mais on l'annoncera après le titre de champion de France. Non, une bonne saison oui, mais une saison avec 15 victoires en 15 matchs, non, surprenante.